Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance pour les énergies du 25 mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, nickel. Alors, j'explique, j'ai déjà fait une guidance il y a un instant, mais c'était surtout, ça ne correspondra pas à tout le monde. Donc, c'était une petite guidance de 27 minutes et que c'est surtout pour ceux et celles qui sont vraiment dans le monde spirituel et qu'il y a un changement financier, matériel et sentimental. Donc, simplement, si vous avez été guidé, ben, vous irez la voir. Là, mes guides m'ont dit de refaire une micro-guidance. Voilà. Donc, j'écoute, j'exécute. Et voili, voilou. Alors certes, elle sera sûrement pas grande. Je ne peux rien vous promettre. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, ben, elle est quand même grande. Donc voilà. Hein, mais bon, on va faire en sorte qu'elle ne soit pas trop grande, les amis. Hein. Puis bon, je dois préparer la popote après, hein, quand même. Hein. Donc, mes enfants vont crier famine. Allez, s'il vous plaît, mes guides, oui, s'il vous plaît, mes guides, quel ange de l'Atlantide sera avec nous pour cette guidance générale pour les énergies du 25 mars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, quel ange de l'Atlantide sera avec nous pour les énergies du 25 mars, s'il vous plaît. Ah, mais oui, ben, c'est pas évident puisque comme j'en ai fait une avant, c'est très très rare, même voire jamais, je crois, d'en avoir fait l'une après l'autre. Donc, est-ce que je dois aller les choisir, mes guides, s'il vous plaît, dites-moi. Parce que je sens que ça bloque quand même. Oui, ok, oui, c'est bien ça. Je sentais que ça bloquait, les amis. Ok. Oui, oui, non, mais je sentais bien que ça bloquait. Alors, nous avons... Oh, je vous jure, une dinguerie. Une dinguerie. J'adore, j'adore. Non, mais mes guides, vous êtes coquins. Regardez, ceux et celles qui ont été voir ma précédente guidance d'aujourd'hui même, hein, le titre, bah, de toute façon, je mettrai sûrement « Changement financier, matériel et sentimental » et vous avez là une force spirituelle. Regardez, nous avions eu l'ange Amael Volonté et là, on me dit « ça bloque, à toi de la choisir » et je retire la même. Non, mais « et ». Non, mais vous appelez ça comment, les amis? Dites-moi en commentaire, vous appelez ça comment? Bref, en dos de deck, on vous dit à Raphaël, purification, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Pareil, ma vidéo précédente, on me disait en canalisation de vous purifier, on me redonne la purification. Non, mais des fois, je me demande à quoi je sers. Je sers à rien, là, mes guides. Vous leur donnez tout. Ok, je rigole. Allez, donc nous avons l'ange Amael. Il vous dit volonté. Vous avez la volonté de. Vous avez eu la volonté et pour certains, vous allez avoir cette volonté de réussir, d'avoir changé les choses aussi et de penser différemment. Là, on me dit. Hein. Et comme je disais, de toute façon, et comme je dirais toujours, la volonté, c'est quoi? C'est aussi une sorte d'espoir, hein, d'espoir, de vouloir. Hein. Et là, nous avons donc l'ange Raphaël, hein, l'ange qui est quand même de guérison. Donc là, on vous dit, purifiez-vous, non seulement par des bains ou des douches de gros sel. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression de refaire la vidéo d'avant. Mais ça me fait vraiment rire d'aujourd'hui même, hein, les amis. Hein, c'est une dinguerie. Donc, on vous demande de purifier correctement votre habitat, chaque pièce aérée correctement. Soit mettez de la sauge, de l'encens de la sauge, pardon, du gros sel quand vous prenez votre bain ou votre douche. Et cela, ça s'appelle la purification. Mais surtout, les amis, buvez, buvez, buvez beaucoup d'eau. C'est très important. Très, très important. D'accord, les amis? Vraiment, 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 hein. Bon, ben, vous voyez, hein, moi, je trie toujours devant vous. Je vous montre comment je bats. Hein. Donc, là, il n'y a pas de... Hein, c'est une dinguerie, voilà. Les synchronicités sont bien là. Et mes guides sont toujours coquins avec moi. Hein. Oh là là là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que je prends? Je vois un petit coup, les amis. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est ce qui est le plus important. Allez, s'il vous plaît. Alors là... On me dit de prendre l'oracle des sorcières. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris en plus. Donc, je suis contente. Allez, on va aller voir, les amis.
de ce qu'ils veulent nous dire comme message. Donc, je le répète, hein, c'est une guidance générale. Soit vous prenez toute la vidéo si cela vous parle, soit vous prenez par petits passages, petits messages, ou bien si rien ne vous correspond, tout simplement, vous zappez la vidéo. Hein. C'est pareil, il y a des fois, je le redis, il y a peut-être simplement un message au niveau de mes anges de l'Atlantide, parce que je le dis, et vous vous en êtes sûrement aperçu dans toutes les guidances, je commence par cela. Je commence par cela. Et du coup, vous pouvez simplement avoir un message avec de ce qu'on me dit en canalisation, mais qu'après, vous n'avez plus du tout de message qui vous correspond. Hein. C'est fort possible, hein, les amis. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il des messages pour toutes les personnes qui regardent cette guidance et à qui ça leur parlera? Pour les énergies du, ça parle, pour les énergies du 25 mars. Alors là, nous avons « Affirme ta croissance ». Ah, ok. Un magnifique, je ressens beaucoup, beaucoup de choses. Alors déjà, il faut savoir que c'est un peu comme l'ange Raphaël au niveau du chakra du cœur, très bien au niveau de la couleur vert. Hein. Donc c'est encore, c'est chakra du cœur ou l'ange Raphaël. On vous demande de plus vous affirmer. On vous demande de plus vous affirmer parce que de toute façon, là, vous allez vraiment vous affirmer plus. Vous allez plus dire les choses, mais avec comment dirais-je, avec sûreté, hein, vous voyez. Vous allez prendre une certaine ampleur, mais dans vos dires, j'entends. Et que finalement, grâce à cela, parce que vous avez tellement semé aussi, et c'est l'heure finalement de récolter. Là, j'entends effectivement, il y a une évolution, une élévation, toujours avec de vous affirmer au niveau de votre croissance. Mais moi, c'est surtout, j'entends, de vous dire, vous êtes plus sûr de vous, vous allez plus aller de l'avant, vous allez plus avancer. Hein, magnifique. Ouais, vous avez bien travaillé, hein. Il y a quand même une notion, effectivement, oui, vous avez semé et il est l'heure de récolter, hein. Avant, il y en avait certains, il y avait une certaine, on vous demandait une certaine patience, mais là, j'entends plutôt qu'il est l'heure, vous allez récolter, hein. Ok? Allez, s'il vous plaît, les guides, y a-t-il d'autres messages? Mais on me dit encore en canalisation, même s'il est l'heure de récolter, vous semez encore du bon. Et c'est ça qui est très, très bien, on me dit. Très, très bien, les amis. Allez, ouh, deux. Bon, moi, je les prends. Ok. Là, ah, oui, c'est bien ça. Hein. Donc là, vous avez la carte 4 et c'est ancré et centré. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère, parce que j'avais l'air d'être un peu trop. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Donc là, on vous dit, il y a des personnes, enfin, ça y est, vous êtes bien ancré. Mais pourquoi vous allez aussi avoir une certaine croissance dans votre façon de parler, dans votre façon de faire les choses, hein, j'entends. Hein. Vous êtes plus sûr de vous, hein, vous allez avoir vraiment une confiance en vous, là. Hein, et grâce, peut-être, parce que vous avez travaillé au niveau des méditations, au niveau de l'ancrage aussi, hein. Vous allez être centré, vous allez être en alignement avec vous-même et les autres. Hein. Oui, il y a une forme aussi encore de verre de protection de l'ange Raphaël aussi, magnifique. Il y a quelque chose comme si vous allez enfin prendre des responsabilités et comme une stabilité, on me parle. Et là... Médite pour créer. Bah oui, regardez, je vous parlais de méditation, ouais. On vous redit là, méditez pour avoir plus de créativité et pour que cela se crée dans la matière. Hein. Il y a peut-être une notion là, il y a peut-être des personnes qui savent peindre. On vous dit, allez-y, foncez, ou peut-être écrire, ou peut-être créer aussi des oracles, hein, tout simplement. Mais on vous conseille, allez-y, foncez, hein. Méditez si vous avez encore des doutes, cela pourrait vous aider. Ou alors méditez aussi pour vous sentir au mieux, hein. Et toujours être aligné, toujours cette façon d'être aligné, hein. Mais il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose qui arrive là, hein, de toute façon, vers vous, hein. Ouais. Tellement que vous êtes bien dans votre peau, vous avez une confiance en vous, vous allez attirer les choses, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages?
pour les personnes. Ouh, merde. Oh là là, regardez, hein, les synchronicités sont bien encore là. Hein. Purifiez-vous, on vous dit buvez, buvez beaucoup de l'eau. Hein. Renaissance et réinvention. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un renouveau. Oui, il y a bien un fin de cycle pour vous. Là, ce que j'entends là maintenant de suite, je suis désolée, il y a encore une forme de triangulaire, mais vous avez une certaine sagesse, une certaine patience que vous avez trouvée grâce à vos travail, à votre travail de méditer ou de vous recentrer sur vous-même, hein, on me dit. Magnifique, mais purifiez-vous encore, buvez, buvez beaucoup d'eau, toujours une notion, il y en a parmi vous, enfin vous acceptez le corps que vous avez, même si vous êtes un petit peu rondelette, et bien enfin vous avez réussi à vous accepter, c'est magnifique, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous, hein. Moi pour moi il y a une notion, il y a un changement de choses et je sens depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein. Ouais, allez s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages? Ouh! Alors, poursuite et rêve. Oui, il y a encore une notion de rêve là. Hein. Vous avez des rêves. Hein. On vous le dit, les amis. Hein. Continuez à rêver, mais imaginez-vous que cela va arriver dans la matière présentement. Hein. Il ne faut pas que vous vous arrêtiez simplement au rêve. Faites que quand vous rêvez ou vous espérez, toujours carte 7, donc c'est le chiffre divin, mon chiffre préféré, et bien on vous dit, s'il vous plaît, faites tout pour que ça vienne en la matière. Mais là, j'entends qu'il y a une notion qui va arriver, hein. Ça va arriver. Hein. Peut-être aussi des personnes qui ont fait des vœux pendant une étoile filante. Hein. On me parle une notion d'une étoile filante. Vous avez fait un vœu et on me dit là pour ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages magnifiques hein. Donc rêvez, méditez, restez ancré, restez aligné. N'oubliez pas de vous purifier, de boire correctement de l'eau. Il y a quelque chose, il y a un changement de quelque chose là. Soleil et étoile, non mais c'est de toute beauté. Et regardez, nous avons la carte 1, il y a bien un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle situation qui arrive vers vous. Il y a un côté aussi, vous êtes des énergies de soleil, de bonheur, de triomphe et aussi des énergies avec la lune. Hein. Vous avez aussi des personnes, là je ressens, qui ont des notions d'énergie des deux côtés, lune et soleil. Hein. Pas pour tout le monde, hein, j'entends bien. Vous êtes aussi connecté avec l'univers. Alors peut-être des confrères, consoeurs, pardon, qui regardaient cette guidance, pourquoi pas. Hein, et que justement, on vous dit, continuez, allez bien sur ce chemin parce que l'univers est derrière vous, l'univers est là et vous aide hein, tout simplement. Regardez, mais oui, inspiration, courage. Vous allez être inspiré, on va vous aider à être inspiré de mieux avoir votre situation. Hein. On va vous inspirer, pour mieux adhérer les choses, pour mieux comprendre des choses dans la situation. Mais moi, j'entends plutôt une notion de quelqu'un qui viendra vers vous, dos de deck. Ouais. On va vous mettre et on vous dit, vous allez avoir le courage de accueillir tout cela. Encore une notion, encore méditer pour vous apaiser. N'hésitez pas à méditer, les amis, c'est très important. Hein. Peut-être des signes d'eau là aussi, hein. Toujours une forme peut-être aussi des personnes qui pensaient à quelqu'un constamment, on est en train de me dire là, mais que attendez peut-être et avec lenteur aussi encore. Il vient cette personne, mais avec lenteur. Mais on vous dit, si vous êtes encore un peu dans l'embarras, n'hésitez toujours pas à méditer. N'oubliez pas que cela vous apaise et vous aide à être encore un petit peu patient. Magnifique. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je prends d'autre? Oui, et là, on me redit de regarder le dos de deck. Exprime ta pensée. On vous dit aussi, mettez dans la matière. Ne priez pas non plus en silence. Vous pouvez prier ou dire vos pensées, mais à haute voix, qu'on puisse vous aider. Le monde invisible vous dit, pour vous aider, dites aussi à haute voix ce que vous aimeriez, à laquelle on vous aide. Hein. Et voilà, c'est bien ça, distribuer de l'amour. Il y a bien une notion, je sais pas, je ressentais tout à l'heure, il y a quelque chose avec l'amour là. Hein. Il y a peut-être des personnes aussi qui distribuent de l'amour, c'est-à-dire qui aident beaucoup aussi son prochain. Et on vous dit, c'est très très beau. Hein.
Voilà les amis, vous ne prenez simplement ce qui vous parle, c'est très important. N'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un commentaire, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours des gestes, j'ai l'impression qu'on me guide, fais ci, fais ça, je sais pas moi, hein, je suis plus là. Hein. Voilà, voilà. J'ai bien envie de prendre voilà l'oracle de Annabella pour aller en concordance avec l'oracle des sorcières, voir ce qu'ils peuvent nous en dire un peu plus sur ce renouveau, sur ce changement aussi, parce que là c'est surtout votre bien-être profond et de créativité, mais il y a bien un changement aussi que j'entends, je sens, donc on va aller voir. Hein. Mes guides, s'il vous plaît. Avec l'oracle de Annabella, hein, des fées et des anges, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur les changements à venir pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Hey, je t'aime. La protection des guides, vous avez, on me dit de regarder la coupe, hein, la protection des guides et le je t'aime. Voilà, tout simplement. Donc, c'est de toute beauté. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations pour le changement à venir, de la récolte qu'ils vont avoir pour le consultant et la consultante pour les énergies du 25 mars, s'il vous plaît, mes guides. Et pour aller en concordance avec l'oracle des sorcières. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Ouh, puis elles glissent tellement bien ces cartes. Allez les amis, on y go? Oh bah, on veut pas nous en dire, surprise on vous dit. Bah je suis désolée les amis. Mes guides me disent non, c'est une surprise. C'est une surprise. Il y a bien un changement, il y a bien quelque chose qui vous attend. Moi je ressens bien même une personne, mais il n'y a pas que. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un triomphe sur deux situations que quelqu'un, d'une personne et aussi d'un... Je ressens d'un autre truc. Je ne sais pas comment vous expliquer, les amis. Et en plus de ça, ils ne m'aident pas parce que... Vous voyez, surprise, là, on vous dit. Surprise. Mais regardez, il y a quand même des cœurs hein, dans la fenêtre, dans le cadeau, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a une notion de... On va aller voir s'ils veulent nous en dire un peu encore ou pas. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Avez-vous d'autres messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Et pour aller en concordance avec l'oracle des sorcières. Ah. Bon, deux cartes, déjà. Alors, d'ici quelques semaines, on vous dit, d'ici quelques semaines, la surprise sera d'ici quelques semaines et ils sont coquins, hein. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Enfin, moi les amis, je suis désolée, mais moi-même, je suis curieuse, c'est une dinguerie. Je ne veux pas attendre, moi aussi je suis curieuse d'ailleurs pour celles et ceux qui ont déjà eu leur futur hôte, qui ont pris rendez-vous et tout, moi je veux tout savoir. Hein. Bon ben voilà, et qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Oh, regardez dos de deck, déjà simplement le je t'aime, donc c'est beau, hein. C'est beau là. D'ici quelques semaines, hein. Donc c'est quelqu'un qui vous aime hein, de toute façon. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime. Alors attention, ça peut être amoureusement, certes, mais ça peut être aussi amicalement ou peut-être aussi un collègue. Hein, mais moi, j'entends plus sentimentalement parlant. Bref, donc tout simplement, hein, moi, il y a bien un changement. Vous allez récolter ce que vous avez semé, mais pas que. Je parle aussi de l'abondance, mais aussi sentimentalement parlant. Et regardez, il y a bien une surprise qui arrive vers vous. Mais on vous dit d'ici quelques semaines, la surprise est que on se pose trop de questions. Laissez faire les choses tranquillement. Oh, j'adore mes guides. Je les adore. Voilà, voilà. Je vais pas arrêter de le dire, ça aussi. Ah. Ok les amis, bon bah écoutez, vous prenez simplement ce qui vous parle, hein. Donc n'hésitez pas à méditer, à vous purifier vous-même ainsi que votre habitat et voilà, 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 je le redis, je le fais pas exprès mais c'est comme ça. Est-ce que je reprends quelque chose d'autre s'il vous plaît mes guides, dites-moi, et où est-ce qu'on en a fini, est-ce que je reprends s'il vous plaît, ok. Et on me redit de prendre le chakra du cœur, tout simplement. Et il y a un petit message et on en arrêtera là, les amis. Voilà, voilà. Allez. Je ne sais pas quelle heure qu'il se fait. Il va falloir que je speed quand même, là, parce que je ne suis pas toute seule.
Allez, s'il vous plaît, me guidez-t-il un message avec l'oracle chakra du cœur pour aller en concordance avec l'oracle des sorcières et l'oracle d'Annabella. Eh oui, ça parle, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nouvelle rencontre proche. Eh oui, il y a bien quelque chose là. Alors, ça peut être votre futur hôte. Vous connaissez déjà ou pas. Attention, hein, les cartes ne sont pas non plus... Voilà, donc on vous dit une nouvelle rencontre. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous et qu'il y a une surprise. Et là, en dos de deck, j'entends, vous avez la clé en vous. Il y en a déjà qui se posent des questions, mais ils ont toutes les réponses en eux. Et que de toute façon, dans tous les cas, peut-être une vie commune dans 8 mois. Mais ça, moi, je ne fais pas trop attention à cela parce que je ne sais pas. J'y sens pas. Moi, je vous dis vraiment en canalisation, vous avez la réponse au fond de vous, au fond de votre cœur, votre âme. Vous savez qui est cette personne, finalement, on est en train de me dire, et que des fois, à trop vous poser, bah, finalement, les questions, vous faussez les choses. Donc, laissez faire les choses, et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Je ne dis plus le reste parce que je vais me faire disputer, je le sens. Je l'ai dit au moins 4 fois. 4 fois. Je ne fais pas exprès, les amis. Je suis comme ça. Je suis comme ça. OK? Allez, on va prendre le livre des oracles. Donc, soit vous avez une question et ça vous donnera votre réponse, ou bien pour finaliser la guidance, les amis. Allez, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous m'arrêter? Allez, go. Alors, voyance. La voyance dit, ne négligez pas les détails. Ne négligez pas les détails. Donc, il y a des personnes à qui ça parlera, vous négligez des détails. Ça veut dire peut-être aussi que vous foncez, peut-être baissé, j'entends. Et qu'il y a des tout petits détails qui font que il faut que vous soyez plus à l'écoute de la situation à laquelle cela vous parlera. Et vous le savez, on me dit. OK? Alors, on me dit aussi de prendre, et après j'en finis, de mes petites pancartes que j'ai faites. Petite création, hein, tranquille, tranquille. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il un petit message? Enfin, pour finaliser, hein, vous me dites. Allez, s'il vous plaît, mes guides. 2, 3, non, 2. Non, ça tient pas. Oh là là là. Alors, ah non, 3. C'est 3. Bon. Alors là, on vous dit qu'il y a des peurs. Il y a des peurs et il y en a, il y a quelques personnes. Vous vous renfermez sur vous-même. Pardon. Donc là, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs où il va y avoir des peurs. Vous vous renfermez sur vous-même. Je vais y arriver. Oh là là, magnifique. Pour cet automne, écoutez bien là les amis, hein, ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais pour certains, ils me le disent, pour l'automne prochain, attention, l'automne prochain, écoutez bien les amis, un déménagement. Donc, c'est con, je suis désolée, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Mais là, en plus de ça, quand on me dit vie commune, effectivement, j'ai été un peu trop vite en besogne parce que là, on me confirme qu'il y a bien un déménagement. Il y aura des peurs, certes, vous allez avoir des peurs au fond de vous de franchir le pas, mais il y a bien un déménagement pour cet automne, les amis. L'automne qui arrivera prochainement. On va déjà passer le printemps et l'été, hein, d'accord? Mais pour l'automne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Pourquoi pas laisser un commentaire si le cœur vous en dit, les amis. Surtout, restez dans la bienveillance, dans la sagesse, la paix. Mais surtout, les amis, l'amour pour vous-même en premier temps. Et ensuite, l'amour pour autrui. C'est très important. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous fais d'énormes bisous et je vous envoie plein d'énergie positive. Ciao les amis.